Que Dieu bénisse tous. Zambia Pambola Binonyonso. Levons-nous pour lire la parole. Telema pona kotanga liloba. Exode 24. Exode tukumi bali na mine. Verset 1, verset 4. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi Aaron, Nadab, Abihu. Merci. Ils se sont dit des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il battait un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Que Dieu bénisse cette parole. Veuillez vous asseoir. Ici, Awa, je vais d'abord déposer 3 pensées. Répondre à certaines questions. Beaucoup de questions. Une trentaine environ. Nous allons répondre à quelques questions. Les sons là n'est pas bien amplifiés. Il y a un écho. Comme ma voix n'a pas un bon éclat, ça doit être bien amplifié. Plus de 30 questions. Nous allons répondre à quelques-unes aujourd'hui. Si Dieu le veut, dimanche, nous pourrons aussi répondre à quelques autres questions. Remarquez ici, frère. Moi, je ne suis pas de l'Assemblée de Ngiringiri. J'ai travaillé à l'existence de cette assemblée. Avec les frères, beaucoup ont été amenés à la foi. Mais nous sommes dans le corps de Christ. Ce qui vous arrive, nous arrive. Celui qui aime Dieu, il doit avoir les soucis de ce que les choses de Dieu marchent correctement. Et Dieu y a envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé le prophète pour faire des miracles. C'est pour révéler sa volonté. Les miracles ont accompagné la voix de Dieu. Les miracles, c'était pour attirer l'attention du peuple à la voix de Dieu. Alors, maintenant, Dieu ayant parlé, si vous êtes de Dieu, vous allez vous aligner.
Bokolanda nasima. Si vous n'êtes pas de Dieu, soki bozali anzambete, on ne vous supplie même pas. Bako bonde la yo kutute. Ce sont les choses qui ne vous concernent pas. Yango ezali makango etali yo kutute. D'ailleurs, la preuve kutu elembo ezali que vous êtes de Dieu, ete ozali anzambete, c'est que la parole de Dieu vous intéresse. Ezali te liloba nzambe ko benda makanisi na yo. Pas vos intérêts. Ezali te matomba na bino moko. La parole de Dieu. Liloba nzambe. Prendre position pour la vérité. Dieu dit à Moïse, montez ici. Mata awa. Moïse monte. Mose amati. Avec Aaron. Elongo na alona. Avec Abihu. Na Abihu. Et Nadab. Pe Nadab. Le peuple était là. Libota lizala kiwana. Il fallait conclure une alliance. Et singela ki kosala boyokani avec Dieu. Elongo na nzambe. Dans une alliance, kati na boyokani, il doit y avoir deux parties. Et singela kozana biteni mibale. Et il doit avoir les paroles de l'alliance. Et singela kozala pena maloba ya boyokani. D'un côté était Yahvé, le Seigneur Dieu. Nangambo moko Yahweh, nkolo nzambe azalaki. Et de l'autre, le peuple de Dieu. Pena ngambo mosusu libota na nzambe. Il faut s'entendre. Et singela koyokana. Parce que dans une alliance, kote kati na boyokani, il faut une entente. Et singela boyokani ezala. Alors cette entente doit avoir un socle. Boyokani yango singela kozala moboko. Un fondement. Moboko. Le fondement de l'entente Moboko ya boyokani de Dieu avec son peuple, ya nzambe na libota, c'est la parole de Dieu. Ezali lo bana nzambe. Alors Dieu a parlé. Bongo nzamba lobaki. Il a communiqué les ordonnances. Apesa ki bongo mi. Il a communiqué les commandements. Apesa ki mi beko mi. Et il dit à Moïse, Père Lobina Mose, kenda ko ebisa bango. S'ils veulent marcher avec moi, soki bangi ko tambo elongo na ngai, qu'ils acceptent ce que j'ai dit. Bandi ma onga ina lobi. S'ils veulent suivre leur voie, soki bangi ko landa banzela na bango, qu'ils rejettent ce que j'ai dit. Ababuaka oyo ngai na lobi. Mais ici le peuple entier. Kasia wa libota mobimba. Le peuple entier. Libota mobimba. Répondit d'une même voix. Et anolaki et répondit d'une même voix. Et yano la ki uta mongongo moko. Nous ferons tokosala pas une partie, pas une partie, ndambo, mais tout ce que kasi nyonso oyo l'Éternel a dit. Ya wasili koloba. C'est fini. Moïse s'est levé. Mose a telemaki. Il a pris le sang azwa ki boyemaki de l'alliance ya boyokani pour sceller cette alliance. Il a mis le sang sur le tabernacle. Il a mis le sang sur le peuple. Il a mis le sang sur les livres de l'alliance. Est-ce que vous me suivez bien? Le peuple est entré dans une alliance. C'est que, et Dieu et le peuple ont une même voix, ont une même orientation, ont une même volonté. À ce moment-là, Natango, toutes les promesses kabiso, que Dieu a faites à son peuple, Nzamba Dieu yabé. Sera garant Nzambe la moto pour les tenir, pour les accomplir. Est-ce que c'est clair? Ezali polele. C'est comme ça que l'alliance a été conclue. Bongonde boyo kanye katamaki. Mais si le peuple n'accepte pas, bwe soki libota l'indimité, les paroles de Dieu, maloba pas les paroles de Branham, pas les paroles de Franc, pas les paroles de Moïse, non. Les paroles de Dieu, maloba na nzambe, Dieu n'est pas engagé à marcher avec eux. La cassure est totale. Vous pouvez rester avec votre titre de prédicateur, motéi, titre d'ancien, titre de diacre, titre de choriste. Ça va rester. Ça n'intéresse pas Dieu. Les titres n'intéressent pas Dieu. Une seule chose intéresse Dieu. Accepter sa parole. Parce que même si vous n'avez pas un titre, mais que vous avez la parole, vous verrez la gloire de Dieu. Que sert-il de s'accrocher à un titre et être rejeté après parce qu'on a rejeté la parole? Est-ce que c'est clair? Alors vous comprenez que ça c'est une pensée profonde qui est déposée
Cette église, Ecclésiaïe, doit être debout. Et Sengelez la côté. Elle doit être forte. Et Sengelez la makasi. Dites amen. Boloba amen. Et si vous voulez être fort, mais ceux qui veulent nous makasi, demeurez sur la parole de Dieu. Bovanda na lilo bananzambe. Soutenez la vérité. Bosimba solo. La vérité vous soutiendra. Solo eko simba bino. Si vous rejetez la vérité, la vérité vous rejettera. Qui que vous soyez, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est sa volonté, c'est sa parole. Toutes les autres choses, c'est rien. Voyez comme Dieu voit. Alors, vous vaincrez. Ne soyez pas en contradiction avec Dieu. Non, Dieu ne marchera pas avec vous. Ça, c'est la première pensée. Elle est très profonde. Alors, dans la nouvelle alliance, il y a une alliance. Une alliance éternelle. Que Dieu a conclu avec le peuple de la nouvelle alliance. En le sang de Jésus-Christ. Il faut que les paroles de la nouvelle alliance, l'évangile de Dieu, qui a pour fondement le sacrifice de Jésus, soit communiqué au peuple. Le peuple qui l'entend doit réagir de la même manière que Israël a réagi. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Alors là, Dieu Bongo, vous avez une même orientation. Vous allez dans la même direction. Là, il va tenir ses engagements à votre égard. Parce que regardez, Esaïe 46. Isaïe 46. Regardez Esaïe 46. Regardez l'engagement de Dieu. À l'égard de son peuple. La Bible dit. Bible lobby. Verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous serez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge. De votre origine. Vous voyez? Ça, ce sont les engagements de Dieu. Il assume sa responsabilité sur le peuple qui a reçu la parole. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Pourquoi? Parce que vous soutenez sa parole. Et Dieu vous soutient aussi. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dites amen. Voilà de grandes promesses que Dieu donne à son peuple, le peuple qui a accepté les paroles de l'alliance, et celui qui vous porte. Mais quand vous continuez la lecture, il parle des idoles. Il parle des bêtes qui portent les idoles. Mais l'idole, c'est l'homme qui porte. C'est la bête qui porte. C'est un fardeau inutile. Mais en Christ, c'est Dieu qui nous porte. Oh, gloire à Dieu. Alors, ainsi de suite. Bongo na bongo. Il dit au verset 6. Ils veulent les idolâtres là. Ils versent l'or dans leur bourse. Hein? Les orfèvres. Regardez comment ils fabriquent leur Dieu. Ils versent l'or dans leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre
pour qu'il en fasse un Dieu. Dieu fabriqué. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent. Ils portent leur idole. Qui est devenu leur Dieu. Il le charge sur l'épaule. Il le met en place. Vous venez avec votre Dieu, vous le mettez en place. Vous pouvez le basculer dans tous les temps. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, c'est une colonne. Il ne change pas sa volonté. Il ne change pas sa parole. Il est le même. C'est vous qui devez changer. Mais Dieu ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, bongo, il y reste. Reste. Il ne peut se déplacer que si vous le déplacez. Mais notre Dieu est vivant. Alors, leur Dieu là, bongo, il ne bouge pas de sa place. Oui, vers lui. Mais leur Dieu ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Oh, loué soit notre Dieu. Alors, maintenant, verset 5, il dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Non, vous ne pouvez pas le comparer à quelqu'un d'autre. Il est le Dieu véritable. Aujourd'hui, tel qu'on est là, il peut dire, aujourd'hui, tu n'arriveras pas dans ton lit. Ça arrivera ainsi. Personne ne le changera. Dites amen. Alors craignez Dieu. Craignez Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est la première chose. Quand Élie est venu. Élie a qui? Il y avait les prophètes de Baal. D'un côté, et le Seigneur y avait de l'autre. Maintenant, il leur a dit, invoquez votre Dieu. Le vrai Dieu répondra par le feu. Ils étaient même plus nombreux. 850. Devant un seul Élie le prophète. C'est pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes forts. C'est celui qui est Dieu qui est fort. C'est celui qui a la vérité qui est fort. Alors, Élie leur a laissé un temps. Ils ont fait les incantations. Ils ont invoqué. Il n'y a eu ni voix, ni mouvement. C'était un Dieu mort. Quand le temps est arrivé, à l'heure de l'offrande du soir, parce que Dieu utilise Élie au temps du soir. Oh, la parole est bonne. Ah. Alors il leur a dit, allez, taisez-vous. Les adversaires de la vérité, taisez-vous. Élie est monté. Élie a mataki. Première chose, rétablir l'autel. Écoutez, et sur les 12 pierres, il y avait 12 noms du peuple des tribus d'Israël. Il a rétabli l'autel avec 12 pierres. Il a pris un sacrifice. Il a placé dessus. Il leur a dit jeter de l'eau. Non, on utilise l'eau pour éteindre le feu. Mais notre Dieu utilise l'eau pour allumer le feu. Gloire à Dieu. Allez, mettez de l'eau. Mettez de l'eau. C'était plein. Et ton alors, il s'est levé.
Oh Yahweh, le Dieu d'Israël, Zambé na Israël, que l'on sache aujourd'hui que moi je suis ton serviteur. En d'autres termes, tu m'as donné un mandat et que j'agis de ta part. Ah, c'est très important. Que je fais tout. Voilà la clé. Je fais toute chose d'après ta parole. C'était fini. Parce que tout était fait d'après la parole de Dieu. Le ciel s'est ouvert. Le feu de Dieu est descendu. Ça a consumé le sacrifice. Ça a consumé l'eau et tombé maille. Et tous ont crié. L'Éternel est Dieu. Yahweh est Dieu. Yahweh Azalinzambe. Et le peuple a été ramené. Écoutez-moi bien. Ouais. L'assemblée de Ngiringiri. Dieu ne traite avec nous que sur bas de la vérité. C'est tout. Lorsque la vérité est prêchée, ne la contournez pas. Acceptez-la. Dieu sera engagé à votre égard. Autrement, vos discours ne vous rassurera pas. Regardez, Élie est venu. Il a fait tout selon la parole du Seigneur. Et le cœur a été ramené. Quand Dieu apporte la vérité, il veut attirer son peuple à lui. Par la foi, la vérité. Alors, qui était fort? C'est lui qui était avec la vérité et Dieu. Ou c'était les 850 prophètes. Dieu nous soutient par sa parole puissante. Hébreu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, pour soutenir encore ce que nous venons de dire, je fais tout chose d'après ta parole. Notre vie doit être alignée sur sa parole. C'est alors que nous verrons la main de Dieu. Prenez un chronique. On dépose cette pensée. Ça, c'est la deuxième pensée, mais ça se tire. C'est la même pensée. Regardez un chronique 28. Je suis au verset 11. Un chronique 28. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna les plans de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant le parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour le trésor de la maison de Dieu et le trésor du sanctuaire. Verset 14. Il lui donna les modèles des ustensiles. Verset 17. Il lui donna les modèles de fourchettes. J'insiste, les modèles de fourchettes. Verset 18. Et les modèles de l'autel de parfum. Verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Dites amen. Verset 20. David dit à Salomon son fils. David a dit à Salomon, fortifie-toi, prends courage. Et agis.
Pesala. Ne crains point. Ko bangelo ko te. Ne te frais point. Pe kolenga te. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, Zambi yawe, Zambi sera avec toi. A koza elongo na yo. Il ne te délaissera point. A koti ka soko mo kete. Il ne t'abandonnera point. A kosundo la soko mo kete. Jusqu'à ce que l'ouvrage Kino te mosala. Pour le servir de la maison de l'Éternel Kona mosala nda kona yawe. Soit achevé. Et si là. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tous les servis de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toute l'œuvre. Tous les hommes bien disposés et habillés dans toute espèce d'ouvrage. Et le chef et tout le peuple d'aussi à tous les ordres. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Suivez. Mon Dieu choisit David. David aimait Dieu. David, il voulait construire une maison à l'honneur de Yahvé, le Dieu d'Israël. Dieu lui dit, toi, tu as versé beaucoup de sang. Yo, sopi makila mingi. Toi, tu ne vas pas construire la maison. Yo, kotonga nda kote. Si tu, vous commencez au début, so ki bo bandi na ibandeli, David parle de tout ça. David a kolobana tina na nyosowa. Dieu dit, Zambalobi, Salomon, Salomon, ton fils, mwana na yo, quand il va accéder au trône, il va construire la maison. A kotonga ndako. David était le type de Christ. David a la à sa première venue, il n'a pas bâti l'église. Il est venu verser le sang pour racheter l'église. C'est pourquoi dans la première, à sa première venue, il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâti l'église. Non. Il devait d'abord verser le sang pour racheter l'église. Oh, gloire à Dieu. Oh, Nkembo na Nzambe. Alors, quand il a racheté, Bongo tango sikolaki, cette dispensation-là est passée. Bon, tango wana elekaki. On est passé à une autre dispensation bon, toleki na tango où mususu. Il est venu sous forme du Saint-Esprit oui, pour bâtir l'église. Bon, kotonga eklesia. C'était le même type, le même le cas avec Salomon. Et tel c'est le moko longona Salomon. Maintenant Salomon devait bâtir. Ça c'est puis Salomon a singela kotonga. Mais vous ne pouvez pas bâtir sans plan. Kasi pokoi kotonga te kozanga mwango. Vous devez avoir un plan. Ko singela kozana mwango. Une image mentale. Boyelo ko penze dans la molimbo. De ce que vous voulez faire. Ya oyo bolingi kosala. Et vous l'écrivez. Pe bokomi yango. Ça devient un plan. Yango ekomi mwango. Vous me suivez? Bolandi ngai. Mais regardez. Kasi botala. Awa. Dieu lui-même, par l'écrit de sa main, il écrit tous les plans. C'est ce qu'on appelle les modèles. On a donné les modèles de chaque chose. Grande ou petite. Quand on a mis tous ces modèles ensemble, ça donnait le plan. Ça donnait le plan. C'est le plan. Alors, Dieu a pris soin de révéler le détail du plan. Regardez, je tire votre attention sur le chandelier. Comment il devait être fabriqué? Dieu dit à Moïse, vous prenez une seule pièce d'or. Okay. C'est de là que on va sortir le calice. On va sortir le les conduits. On va sortir la base. D'une seule pièce. En ce qui concerne le chandelier, il n'y a eu aucune chose qui était collée. Non. Tout est ressorti de cette pièce. C'était le modèle que Dieu avait donné. Mais le chandelier, c'est grand. Mais une fourchette. Même la fourchette. Ta fourchette. Même les couteaux. Ta mbeli. Tout
devait être selon le modèle. Un bon architecte. Voyez, quand vous êtes à l'UPN, il y a deux grands bâtiments qui ont été construits. L'autre était construit terminé. On a mis les fenêtres, on a tout terminé. Mais on est venu contrôler. On a trouvé que ce n'était pas selon les normes. On a donné, on a dépensé des millions. On a donné l'ordre. On a détruit jusqu'à la fondation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas selon les modèles. Si ce n'est pas selon les plans, vous n'êtes pas en sécurité. Vous pouvez y habiter, mais vous n'êtes pas en sécurité. Que Dieu vous le révèle. Alors ici, les modèles de chaque chose. Faites tout d'après les modèles. Exode 40. Pour faire le tabernacle, Moïse a reçu le plan. Il devait faire chaque chose, grande ou petite, selon ce qu'il y avait ordonné. Quand Moïse a terminé, il a fait passer la construction par un niveau. Il a remarqué que toute chose est en place selon le modèle de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a prouvé aux yeux de tous que tout ce qui a été fait était selon sa parole. Et on a vu la nuée descendre sur le tabernacle et ça remplit la maison. Dieu a prouver que tout ce qui était fait était selon le modèle de sa parole. Dit amen. Paul dit à Timothée, Paul a lobi na Timothée, de Timothée 1, Timothée mi balé mo kapona yambo. Le Nouveau Testament est un modèle. Boyo kania sikezali ndakisa. De Timothée, Timothée, chapitre 1, Mokapo Ayambo, je suis au verset 13. Nazali na molongo ya mi, zomi na misa. Et retiens, Timothée, retiens dans la foi. Simba Timothée, kati na kondima. Et dans la charité. Pe kati na boyokani. Qui est en Jésus-Christ. Kati na bolingo ezali na Yesu. Le modèle. Et taliseli. De saines paroles. Ya maloba ya Petro. Que tu as reçu de moi. Oyo yamba ke pa na ngai. Garde le bon dépôt. Batela e bombelo malamu. Dit amen. Boloba, boloba. Garde le bon dépôt. Bomba e bombelo malamu. Par le Saint-Esprit. Nazela molimo mosantu. Qui habite en nous. Ba vandi kati na biso. Remarquez, Botala, le Nouveau Testament Boyo Kanyasika avait un modèle. Ezalaki na etalise. Modèle du tabernacle. Etalise ya mongombo. Modèle du temple. Etalise ya tempelo. Dans le Nouveau Testament, kati na Boyo Kanyasika, Dieu a donné un modèle. Zamba pesa ke etalise. Le modèle etalise li de l'enseignement des apôtres. Ya lilakisi ya bantoma. Dit amen. Boloba amen. C'est le modèle éternellement Ezali valable. Etalise le bongi belibela libela. C'est pourquoi Paul dit, j'ai posé un solide fondement. Ne cherchez pas un autre fondement. Le fondement selon le modèle, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, il faut bâtir dessus. Il faut bâtir selon le modèle. Parce que Dieu lui-même doit indiquer le matériau qu'il faut prendre pour édifier. Si vous prenez la paille, ça ne passera pas. La paille. Non. Matiti. Matiti. Ça ne marchera pas. Eko simbate. Si vous prenez vos interprétations, vous prenez le mélange avec vos connaissances sans révélation, ça ne passera pas. Ce n'est pas parce que c'est Moïse. Moïse a amené beaucoup les gens au Seigneur et il ne peut pas amener ce qu'il veut. Mais Moïse va mourir là.
Vous ne connaissez pas les fils de Daron? C'était des sacrificateurs nommés par Dieu. Mais le modèle que Dieu avait donné, c'est que vous ne pouvez pas amener dans la présence de Dieu pour le service divin le feu étranger. Ils ont pris le modèle, ils ont mis de côté parce que le feu qui est sorti de Dieu a allumé le feu sur le sacrifice. Et Dieu leur a dit, c'est ce feu-là. Et vous devez entretenir pour le servir dans le temple. Les enfants là, ils n'ont pas compris ça. Ils sont allés prendre le feu étranger qui n'était pas sorti de Dieu. Et ils sont amenés dans la présence du Seigneur. Dieu n'a pas dit, comme ce sont les enfants de Aaron, je vais les protéger. Non. Dieu les a tués avec leur feu à la main. Dites amen à ça. Alors vous êtes qui? Vous avez déjà entendu la voix de Dieu. Mais les enfants d'Aaron, ils ont vu même la représentation de Dieu. Parce qu'ils servaient, ils servaient dans, au tabernacle. Ils offraient le sacrifice c'est l'ordre de Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas suivi le modèle. Le modèle divin doit être respecté par tout le monde. Dites amen à ça. Ils sont morts avec le feu. Ils ont méprisé Dieu. Ne considérant pas à la lettre ce que Dieu a recommandé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, Dieu a donné le modèle aux apôtres. Ce sont les saintes écritures. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 4, mon capona mine, verset 6, molongo ya motoba. C'est à cause de vous, frères, ezali na tina na bino bandeko, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Nde na komisi makambo mayebosali et à celle d'Apollos, pe na oyo Apollos, afin que personne, pote moto mokote, afin que pote, non, à ma personne, celle d'Apollos. Afin que vous appreniez à Boyekola, à nos personnes, na bo moto na biso, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bo kenda te koleka o esiliko komama. Ne le faites même pas par orgueil. Bo sala yango kutute na lofundo. Vous aurez Dieu sur votre chemin. Bo kokuta na nzambe la zela. C'est un mépris de voix droite du Seigneur. Et c'est vrai. N'allez pas au-delà. Limitez-vous dans les limites de la parole de Dieu. Prenez acte 26. Voilà le modèle. Acte 26. Verset 22. Vous êtes là? Verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Voyez, ils sont restés dans les limites de ce que Dieu avait dit. Parce que c'est ça le modèle. Le prophète Branham a pris la Bible. Il a levé la Bible. Il a dit trois choses. La Bible ici est notre absolu. C'est la première chose.
Troisième chose. La Bible ici est le plan du salut de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Alors il dit, la Bible ici est Urim et Thummim. Lumière et perfection. Lumière et vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Urim et Thummim. Aaron a porté sur sa poitrine, sur le pectoral de jugement, 12 pierres. Ce sont 12 pierres précieuses. Si vous lisez dans Exode, on cite les noms de ces pierres. Chaque pierre portait le nom d'une des tribus d'Israël. Quand il va dans la présence de Dieu, il doit porter Urim et Thummim. Lumière et perfection. Lumière et jugement. Et vérité. Alors, bongo, celui qui a eu une révélation, il a eu un son, il a eu une vision. Il vient d'abord devant Urim et Thummim. Il raconte exactement ce qu'il a vu. Il raconte quand il termine, d'une manière surnaturelle, Dieu réagit sur place. Les 12 pierres reflètent, sortent une lumière surnaturelle des arcs-en-ciel. Ce que la chose venait de Dieu. C'est fini. Et si lui, ça devient une absolue pour tout le monde. Frère Branham dit, dans la nouvelle alliance, Dieu a remplacé Urim et Thummim. C'est la Bible. Et la Bible. Ah. Parce qu'il y a 12 pierres. C'est le type de 12. De l'enseignement. Des 12 apôtres. Il y a quelque chose n'est pas dedans. Vous allez vous accrocher pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas avec vous. Moi, je le comprends. Ça, c'est quel amour de Dieu? C'est lui qui aime Dieu, aime la parole de Dieu. Le fait de ne pas considérer la parole de Dieu montre que vous n'aimez pas Dieu. Et là, c'est clair? Vous allez chercher autre chose ailleurs. Comment? Écoutez. Boyoka. Si vous allez à Branham Tabernacle, vous trouvez le bureau de Frère Branham. C'est un petit bureau comme ça. Il y a un bureau qui est une vieille table. Vieille table. Avec sa Bible. Na Bible y en a. D'ailleurs, quand il est mort, cette Bible était ouverte à la limite de la vie de Moïse et le début d'Aaron, de Josué. J'ai vu la Bible, moi. Je me suis assis sur la chaise de Branham. J'étais à cette table-là. Je voulais toucher. J'ai vu là où il avait les mains, les pieds pour le repas du Seigneur. Et là où le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur descendait sous cette petite table pour lui parler. L'ange du Seigneur vient, descend. Il lui parle. Quand il termine, l'ange part. Branham ne prend pas pour aller prêcher. Il reste là. Il prend la Bible. Il prend la Bible. Tu as été à Branham Tabernacle. Yo zaki Abraham Tabernacle de Jackson. Il prend la Bible. À cause de la Bible. Il dit Dieu.
ne peut pas se contredire. Si cet ange vient de Dieu, il sera confirmé par la parole écrite. Il les revoit chaque chose. Il revoit sa place dans la Bible. Il dit, c'est ça le modèle. Voilà le modèle. Si vous ne travaillez pas selon le modèle, Dieu détruira votre œuvre. C'est tout. Tous les vrais, tous les bons architectes savent. Si vous arrivez à un endroit, la construction est là. L'argent a été dépensé. Les matériaux ont été là. Mais on a appliqué un autre plan. C'est celui que l'architecte avait conçu. Il donne l'ordre. Détruisez-moi ça. On doit détruire. On doit détruire. Chaque chose dans l'église qui n'a pas été faite selon la parole de Dieu, ça doit être détruit. Il faut la sagesse pour la marche. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Alors, ça c'est très important. Ça doit être selon le modèle. Selon les Écritures. Respecter Dieu et respecter sa parole. Est-ce que c'est clair ça? Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas venu établir l'ordre. Mais si vous avez bien reçu la parole de Dieu, si la parole vous a repris, il a montré vos faiblesses, il va montrer vos faiblesses dans votre marche, dans votre manière de servir, soyez humble. Ressaisissez-vous. Dites Seigneur, pardonne-nous. Limbisa biso. Conduis-nous dans tes voies droites pour que notre âme soit sauvée. Ça, c'est un. L'enseignement relève l'église. Et remontre le chemin. Revenez à la parole. Et Dieu sera avec vous. Deuxièmement, cette visitation doit vous faire réconcilier entre vous. Vous comprenez? Chacun se réconcilie avec la parole. Et vous vous réconciliez entre vous. Ce n'est plus le temps d'un groupe qui s'attaque à celui-là, l'autre qui méprise celui-là, l'autre qui s'aligne derrière celui-là. C'est ça qui vous affaiblit. C'est ça qui vous fait perdre le temps. Si on a commis des fautes par manque d'un enseignement juste, Dieu est prêt à pardonner. Alors réconciliez-vous. Vous n'allez pas vous faire la guerre. Regardez, frère. Prenez Deutéronome. Pardonnez-vous. Mais vous tous, donnez raison à Dieu. Donnez raison à Dieu. Deutéronome. Vous êtes là? Vous comme Iwana? Deutéronome. Je suis au chapitre 2. Nazali na mokapo ya mibale. Verset 2. L'Éternel me dit: vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Bon, je ne sais pas entrer dedans parce que c'est une histoire terrible ici. Je n'entre pas dedans. Comme cet ordre donne cet ordre au peuple: vous allez passer à la frontière de vos frères. De quoi s'agit-il ici? Dieu les a punis, ils ont fait 40 ans dans le désert. Tous ceux qui aimaient faire la guerre sont morts.
Et le Seigneur dit, maintenant, tournez-vous vers le nord. Vous allez encore pour entrer à Cana. Mais écoutez les instructions. Qui veut arriver au but ici? Mais écoutez les instructions. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères. Les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. C'est un ordre. Vous allez passer à la frontière. Deux enfants, frontière de vos frères, enfants d'Ésaü. Ce sont vos frères. Ce sont les enfants d'Ésaü. Ils ne sont pas dans la marche avec vous. Mais ne les attaquez pas. Parce que si vous leur faites la guerre, vous ne gagnerez rien de bon. Vous allez faire la guerre pour rien. Pour rien. Pamba kaka. Vous ne gagnerez rien. Bokozwa le côté. Verset 9. L'Éternel me dit. Yawa lobi nangai. Deuxième ordre. Motindo ami balé. N'attaque pas Moab. Kobundisa Moab até. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné à en propriété. Dites amen. Vous faites la guerre à vos frères pour rien. Pour rien. Vous gagnerez quoi? Moïse a trouvé deux enfants d'Israël en Égypte en train de se quereller. Il est venu au milieu. D'abord, un Égyptien, un fils d'Israël. Il a tué l'Égyptien. Les jours que va suivre, ce sont des frères juifs qui étaient là. Ils se querellaient. Moïse dit, il dit, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous? Vous maltraitez pourquoi? Si le combat, c'est le combat de la foi, brandissez la vérité. Et restez avec la vérité. Vous allez voir, vous rejetez, vous critiquez, vous détruire. Mais vous gagnerez quoi? Vous ne gagnerez rien. Ça va continuer à attrister le Saint-Esprit. Ça va vous rendre faible. C'est pourquoi j'ai dit, ce message doit vous réconcilier entre vous. Dites amen. Il n'y a pas de compromis à faire. Quelqu'un ne peut pas venir ici. Il s'impose. Non. C'est la parole qui s'impose. Tous derrière la parole. C'est tout. Êtes-vous une dénomination? Vous n'êtes pas une dénomination pour que les hommes s'imposent. Non. C'est la parole qui s'impose. Si ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vérité. Si c'est la vérité, nous allons soutenir. À Dieu la gloire. Maintenant, ça c'est ici. Verset 16.
Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu, par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab, et tu approcheras les enfants d'Ammon. Ne les attaque pas. Ne t'engage pas dans un combat avec eux. Car je ne te donnerai rien à posséder. Dans les belles enfants de Moab. C'est aux enfants de Lot. Que je les donne en propriété. Vous n'avez pas l'héritage dans cela. Dites amen. C'est le combat de la foi. L'ennemi, c'est le diable. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est clair. Hein? On doit déposer l'âche de guerre et même l'enterrer. Vous devez enterrer. Vous devez vous pardonner mutuellement. Amen. Et combattre pour la foi en se maintenant dans la vérité. C'est clair. Voilà. Talani. Maintenant, je vais aux questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a le... Il y a une question. Il y a des questions. Si vous avez suivi l'enseignement de plus près, vous ne les poserez plus. Parce que les réponses étaient déjà données. Mais si on n'a pas bien saisi, on peut poser la question. Un frère pose cette question. Dans l'esprit d'un Timothée 3. Est-il correct pour un frère pasteur d'une église de la parole du message de diriger une église en ayant la position suivante? Il a son épouse avec qui ils ont deux enfants filles. Lui et son épouse s'arrangent que le frère pasteur trouve une autre femme pour avoir des enfants garçons. Des enfants au pluriel, les garçons. Il trouve une autre femme non croyante, une croyante du message, avec laquelle il eut 3 ou 4 enfants, filles encore. Il dut avoir se séparer de sa deuxième femme depuis quelque temps. Écoutez-moi, je ne réponds pas à cette question. Je ne réponds pas pourquoi. Ça concerne un individu. Si vous avez suivi l'enseignement, vous savez que une telle chose n'est pas dans la vérité. Mais je ne peux pas parler de ça. Mettez de côté. Suivons les voies droites du Seigneur. Amen. Quand vous vous mariez, ça c'est une instruction que je donne. Que vous ayez des enfants avec cette femme, ou que vous n'ayez pas des enfants, elle demeurera votre femme si vous vous êtes marié en Christ. Dites encore amen. Laissez les histoires de coutumes. Ah, si la femme n'a pas mis au monde, elle n'est pas utile, il faut l'écarter. Non. C'est pourquoi avant de vous marier, priez que Dieu vous révèle que c'est cette personne que j'étais destiné pour mari ou pour femme. Réveillez-moi le frère qui est endormi là-bas. Contre le véhicule. Ah, pembe na motuka. Vous me suivez? Okolandangai.
Écoutez-moi bien. Boyo kangai malam. Dans l'église du Dieu vivant, on ne peut pas unir un croyant, un non-croyant. C'est un péché devant Dieu. Vous n'invoquerez jamais. Jamais le nom du Seigneur sur la lumière et les ténèbres. Jamais. Même si on veut vous priver des avantages, renoncez à ces avantages. Honorez Dieu. Écoutez. Ça risque de... beaucoup de choses à dire. Ça risque de me prendre encore des jours avec vous. Mais vous avez trop mangé, chers amis. Vous mangez trop. Regardez ici. Vous risquez de finir le dépôt. Regardez. Néhémie. Chapitre 13. Mokapoazo minamisato. Verset 26. Molongo a tout kumbale na motoba. À 27. Kino tout kumbale na sambo. N'est-ce pas cela qu'a péché Salomon? Ezalite na yangonde Salomon na salakilisu. Roi d'Israël. Kumu ya Israël. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet et vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? C'est l'un ou l'autre. C'est un péché devant Dieu. D'ailleurs, un grand crime. C'est un mépris de vos droits du Seigneur. De quoi s'agit-il? L'engagement pour le salut doit avoir eu lieu indépendamment du projet du mariage. On ne peut pas mettre les deux ensemble. Frère Branham dit, si vous mettez les deux intérêts ensemble, l'engagement pour le salut sera une simple formalité. Il aura raté la vraie conversion. Parce que la chair se tournera vers les sentiments. Vous me suivez ce que je dis là? Et c'est une habitude. Surtout si on s'est arrêté par rapport à l'enseignement. Les démons viennent. Hein? Beaucoup de démons viennent. Oh, l'autre a vu une fille là-bas. Il dit, bon, tu viendras chez nous, mais va d'abord, nous avons une église alimentée. Comment ça va alimenter? Fais-toi baptiser là. Tu viendras chez nous comme... fidèle délimité. Dieu ne voit-il pas ça? Ce sont les combines, ça. Ce sont des combines. Vous méprisez la volonté révélée de Dieu. Vous êtes plus fort que Dieu, vous. Et vous mettez votre souveraineté dedans. Quelque chose que Dieu a déjà tranché. Le messager est venu. Il a parlé avec insistance. Et
Et vous trouvez que c'est. Vous devez faire attention. Avec les actes que Branham a posés, avant que la révélation vienne, et que les actes qu'il pose, quand la révélation est déjà venue, vous devez faire attention à ça. Bon, allez, si ça concerne quelqu'un du message, Dieu lui-même le jugera. C'est tout. Vous, Bino, occupez-vous de votre vie. Bon, occupez-vous de votre marche bon, avec la vérité que vous écoutez. Et l'on a solo boyokaka. Ne posez pas de questions par rapport à l'autre. Bon, non. Ne posez pas de questions pour éprouver. Bon, non. Posez réellement la question pour connaître la vérité solo qui peut vous aider. Oye, koye, kosali, sabino. Deuxième question. Bon, vous tenez plusieurs fois un langage de la mauvaise tradition des passages bibliques. On peut dire oui en français ou comme en anglais ou toute autre langue. Précisément en français, la différence qu'il y a entre efforcez-vous et appliquez-vous. Très bien traduit. Selon la part engagée de la personne de qui on lui demande. 2 Pierre chapitre 1. Vous êtes là? Vous allez où? Il est dit. Et l'obami. Verset 5. Molongo ya mitano. À cause de cela même. Natina na yango kutu. Faites tous vos efforts. Bosala bokasi na binonyo. Pour joindre à votre foi la vertu. Pona kosangisa na kondima na bino. À la vertu la science. Na nguya mayele. À la science la tempérance. Na mayele boye komikanga. À la tempérance la patience. Na komikanga motema molayi. À la patience la piété. Na motema molayi komo na bonzambe. À l'amour fraternel. Na komo na bonzambe bolingo bandeko. À l'amour fraternel la charité. Pena bolingo bandeko bolingo. Faites tous vos efforts. Ça, c'est Louis Segond que j'ai ici. Dans une autre Bible, on ne dit pas faites tous vos efforts. On dit appliquez-vous. La meilleure traduction, c'est appliquez-vous. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si le frère qui a posé la question. Regardez. Verset 3. Regardez bien verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné, vous voyez, elle a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle, voyez, là-bas, il n'y a pas eu effort. Là-bas, il y a eu la foi dans de grandes promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. Vous voyez ici, il parle de participer à la nature divine. En d'autres termes, à la naissance. Nouvelle naissance. Vous me suivez? La Bible dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie.
au moyen de la foi dans les grandes promesses. Maintenant, quand frère Branham prend ce passage avec les mots « Efforcez-vous là », le frère Franck, il a prêché la demeure future. Alors, la stature de l'homme parfait. La stature de l'homme parfait. C'est là où il y a la pensée. Pour que vous puissiez comprendre. Dans la stature de l'homme parfait. Le frère Branham montre que la divine puissance a déjà donné tout. C'est-à-dire, au travers de la nature, de la naissance divine, la piété, la patience, la tempérance, toutes ces choses-là se trouvent déjà dans celui qui est né de nouveau. Mais le problème maintenant, c'est la croissance. Beaucoup ont lu cette prédication et n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça. Parce qu'un enfant qui est né aujourd'hui, c'est une fille. Comment allez-vous prendre le charme d'une femme à côté, mettre dans cette fille? Le charme. Que tu mettes en elle. Non. Elle est née. Telle qu'elle est petite là, toutes les femmes se trouvent déjà là. Il faut seulement la nourrir et prendre soin d'elle. Et la croissance prend place. Vous verrez, les seins vont sortir. Les formes gracieuses vont sortir. Le charme de la femme va sortir. Ça ne vient pas du dehors. Dis-moi, quel est l'effort que l'enfant a fait pour produire le charme, pour produire la maternité, pour produire le sein. Dis-moi, c'est quel effort? C'est que si vous ne comprenez pas qu'ici il s'agit de la naissance et de la croissance, vous avez mal compris. Nous avons une réunion de serviteurs de Dieu à Beni avec tous les serviteurs. Na basali nyonso. Je devais exposer na singele kotalisa sur la loi likolo na mobeko ou la grâce tongolu. Dans le plan de Dieu. Katina mwango na Nzambe. J'ai exposé en détail. Na lobaki penda na bozindo. Un frère qui a une église quelque part. Ya biteza moko kuna. Il est monté. A mataki. Il a voulu contredire. Il prend ce verset. Il est quand la Bible dit efforcez-vous. Efforcez-vous. Mais comment? Vous prendrez la vertu où? Pour mettre sur quel édifice? La tempérance. Vous allez la fabriquer comment? Avec votre effort charnel. Comprenez qu'il s'agit de la naissance et de la croissance. Si vous voulez croître pour le salut, 1 Pierre 2. Il est dit. Verset 2. Encore un élément avant de lire ça. Vous avez vu dans 2 Pierre 1. Quand on devient participant de la nature divine, c'est alors qu'on fuit la corruption qui se manifeste par la convoitise. C'est que quand la nature divine est en vous, c'est elle qui résiste. Ça, c'est merveilleux. Alors, c'est pourquoi ici, rejetant donc, mais qu'est-ce qu'il va rejeter? C'est votre nature charnelle? Non, c'est la nature divine qui est en vous. Vous donnez le discernement que ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ton chemin. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie,
et toutes mes disances. Désirer. Bolinga. Un enfant désire. Mouana, un enfant crie quand il a faim. Mouana, beta, quand tango, tango, désirer comme les enfants. Bolinga, le colabana. Nouveau-né. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui, vous croissiez Bokola. Pour le salut. Bona lobiko. Alors, si vous voulez qu'il y ait une grande croissant. Donnez la parole pure. Maintenez l'esprit de communion entre frères. C'est comme ça que ça va réussir. La première église a grandi comment? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la prière, dans la communion fraternelle. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Et vous comprenez que si l'église, il y a une amitié dans l'église, vous n'allez pas grandir. Vous perdez votre temps. Gardez un climat de paix. Supportez-vous. Pardonnez-vous. Mais pour ceux qui y est, des exigences de la parole, tous doivent rester derrière. Gloire à Dieu. Alors, le Bongo. Frère a demandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Bongo. Il y a 30 versets. Bah, ma commune, le frère voudrait que je puisse expliquer. Non, je ne veux pas expliquer, c'est beaucoup. Mais je vais quand même répondre à cette question. Vous avez dit que vous distribuez aussi la nourriture. Non. Vous distribuez. Peut-être moi, je ne sais pas. Ou aussi la nourriture, parole aux églises locales. Donc, vous faites partie de Matthieu 24-45. Comme frère Franck a dit, il n'est pas le seul dans cette écriture. Veuillez, s'il vous plaît, éclairer l'aspect de Matthieu 24-45 à 47. Matthieu 24-48-51. Prenez Matthieu 24. Suivez bien cette parole, n'est-ce pas? 45. Quel est donc le serviteur fidèle? Là, c'est au singulier. Au singulier, ça concerne le mandat de frère Franck. Dites amen. Amen. Que son maître, c'est le Seigneur Jésus, a établi, c'est le Seigneur qui a établi, sur ses gens au pluriel, sur ses domestiques. Ah, c'est là où nous nous sommes. Alors, lui a pris de Branham tout, lui distribue à tous les anciens, tous les ministres et tout, pour continuer à distribuer même enseignement, même les révélations. Pourquoi Franck dit tous sont dans ce verset? Il y a le singulier, c'est lui qui est mandaté. Il y a plusieurs, c'est tous ceux qui apportent la parole pour donner la nourriture au temps convenant. Heureux ce serviteur, ça c'est au singulier, que son maître, c'est le Seigneur Jésus, à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Ça c'est lui, c'est sa récompense. Ça ne concerne pas. Maintenant, 48. Ça c'est puis tout comme il est. Si c'est un méchant serviteur, ce qui a dit Mosali au penda en kanja, qui dit en lui-même, voilà comme il va na yemo, en lui-même, kati na yemo ko, ah, lui n'est pas établi, yé, par le maître, nankolo.
Mon maître tarde à venir. Il tarde à venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Si il se met à battre ses compagnons, les serviteurs fidèles ne battent pas les compagnons. Parce que ce sont les compagnons. Ils travaillent dans le même esprit. Ils partagent le même mandat. Lui a reçu le mandat. Et nous partageons la charge du mandat, chacun à son niveau. L'Ancien Testament, celui qui avait reçu le mandat, c'était Joseph. On a dit, dans tous les pays, qu'il y ait des commissionnaires qui vont amasser et distribuer sous l'ordre de Joseph. Les choses sont claires. Et quelqu'un qui ne croit pas à ce mandat, ne l'écoutez pas. Dites amen. Amen. Ne l'écoutez pas. Il a des démons. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Il a des démons. Oui. Parce qu'il n'est pas dans le mandat. Il rejette le mandat divin. C'est pourquoi moi, on ne m'accepte pas par des gens comme ça. Comme je ne désire rien auprès de quelqu'un, je dépends du Seigneur. Je ne cherche ni l'honneur, ni quoi. Si tu es faux, tu es faux. Moi, je ne te donne pas ma chair. Si quelque chose ne marche pas, je ne te donne pas la chair. Allez me livrer à Satan. D'ailleurs, ma chère, si Satan tombe dessus, il va pleurer, il va dire oh. Gloire à Dieu. Alors maintenant, lui là, c'est un batailleur. On n'édifie pas dans des guerres. Comprenez l'église d'Engiringiri. Comprenez ce que je vous dis. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Pendant la guerre, on ne fait que détruire. Il faut que la guerre cesse. On fait le plan de développement. Maintenant, on peut commencer à construire. Mais si une église est divisée contre elle-même, elle est détruite. L'édification viendra comment? C'est un batailleur. S'il mange et boit avec les ivrognes, il est batailleur. Ça n'a rien à voir avec les serviteurs fidèles. Il est d'abord fidèle à Dieu. Et il est prudent. C'est pourquoi il ne peut pas prêcher quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Alors vous, prédicateurs, vous dites non. Moi, c'est Branham. Mais vous ne comprendrez pas Branham. Sans le ministère de l'enseignement, vous ne comprendrez pas. Que Dieu soit loué. Zambia Kumisama. Bon, d'accord. Bon, encore quelques minutes seulement. Vous savez, vous me faites plaisir. Vous aimez la vérité. Je vois une grande profondeur en vous. Ça me réjouit. Je loue Dieu devant lui chaque jour. J'ai dit merci Seigneur. Merci. Un ancien qui n'a pas de ministère peut-il être payé? Si je dois répondre à cette question, j'essaierai de prendre d'autres versets pour donner la pensée de Dieu sur les droits des prédicateurs. C'est pourquoi je ne réponds pas à cette question. Est-ce qu'un diacre peut-il aussi présider un culte?
Écoutez bien. Oyo kamalam. Cette question aussi, je ne voulais pas y répondre. Non, non, je répondrai. Je ne sais pas répondre. Parce que la première chose, c'est dans l'enseignement, voir les attributions des anciens, les attributions des ministres, les attributions des diacres. Je voulais une synthèse là-dessus. Et vous montrer dans quel contexte un diacre peut conduire le culte. Présider, c'est conduire aussi. Et la Bible, on dit que c'est lui qui préside le face avec zèle. Un autre, on dit que c'est lui qui gouverne. Gouverne. Ah, le face avec zèle. La fois passée, j'ai donné la différence entre faire le prélude du culte, kobandisa eliangani, faire chanter l'église, yembisi ecclesia, même lire une écriture, ata kotanga likomi moko, et prier pe kobondela, et conduire les cultes. Pena kokamba liangani. On n'a pas assez de temps. De quoi tu viens en tango bonaïte? Je mets ça de côté. Nati yango mamoke pembe. Non, c'est pour revenir. Et ali pona kozongela. Na bwa kite na kozongela. Qui propose les diacres? Qui propose les diacres? Est-ce un ancien qui doit proposer les diacres? Le ministre doit proposer les diacres? Ou l'assemblée entière doit proposer les diacres? Nous avons vu ça en détail avec Frère Branham. Ce sont les ministres qui sélectionne et les anciens et les diacres. Amen. Parce que c'est à Timothée ministre qu'il a été dit choisis les anciens, les diacres selon les critères. Tite était un ministre. Tite azalaki moté. On lui a dit tu vas établir les anciens dans chaque église. Si vous avez des ministres, ne vous embrouillez pas. Ce sont eux qui doivent entrer prier, se consacrer, sélectionner des personnes selon les critères. Ce sont eux qui les proposeront à l'assemblée pour recueillir les témoignages de l'assemblée. Oui, oui. Cet homme-là remplit les critères. Je l'accepte aussi. Cet homme-là remplit les critères. Je l'accepte aussi. Quand nous avons ce témoignage, alors à ce moment-là, on peut les consacrer. Est-ce que c'est bien répondu? Même quand tu vois, regardez, vous voyez Acte 6. On a donné une conduite de l'esprit. On a donné les critères. Mais on n'a pas montré comment le faire. Le Seigneur les a conduits selon la conduite locale. Mais quand Paul donne, il dit à Timothée, s'il s'y trouve, c'est que Timothée était là. Il voyait comment il vit. Il cherchait à voir même les témoignages là où il vit, là où il travaille, dans leur maison, avant de présenter. Parce que il dit, il faut que si le ministre fait la comprésence et ne reste pas dans les limites du modèle, il sera coupable devant Dieu. Il va laisser un homme qui a une porte à l'ennemi. Satan va entrer troublé. Vous, le ministre, parce que vous n'avez pas tenu compte des critères, Dieu va vous demander des comptes. Alors soyez sérieux. Vous avez la peine à la siki siki.
Quel est le rôle d'un ancien chronologique? Boye mokumbato mosala ya mpaka moko oyazali mutu ya kala na eklesi. Il n'a aucun rôle. Azana tina moko te? Non. Je réponds à la question. Na yanoni na mutuna. Il dit un ancien chronologique. Muto ya banda kala. C'est un croyant comme Azali mondimi lokola mutu nyoso. Aucun rôle dans l'église. Azana mutu. Je dis bien aucun rôle. Na lobi malamu musala moko te. Si le ministre, si le ministre, ce il est responsable de la prédication. Ah, boyaza mokumba liteya. Amen. Mais il peut être ministre. Kasakwe kozala motei. Et aussi établi ancien. Pelisusu batiye mpaka. Jésus là dit ça. Là c'est autre chose. Wane zale loko mosusu. Il a un rôle à jouer. Azana mosala ya kosala. En tant qu'ancien. Kozala kampaka. Il est ministre. Azali motei. Mais Kasi, on ne peut pas dire que d'office qu'on a eu un ministère qui a suscité l'église. Et c'est là qu'il a mosala moko. On est d'office ancien. Wana ozali mpaka te. Non. Si tel était le cas, Paul lui-même allait dire qu'il était ancien. Il était apôtre. Il n'était pas ancien. Il fallait établir des anciens. Je ne sais pas si vous comprenez. Un ancien chronologique. Bon, si il n'a pas de charge, il n'a pas de ministère. Mais c'est un frère comme tout frère. Il n'a pas. Vous voulez qu'il soit qui? Sauf si il a une charge ou un ministère, sa responsabilité se limite au niveau de la charge ou du ministère. L'église est conduite par qui? Les anciens ou les anciens et les diacres? Ouais. Écoutez, je suis dans Timothée. Boyo kanazaye na Timothée. Vous êtes là? Vous allez wana? 1 Timothée 3. Timothée ya yambo mukapo misa. Verset 4. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Esengelia kamba mala munda kuna ye. Évêque. Et qu'il tient ses enfants dans la soumission. Et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous avez suivi? Ça, c'est l'évêque. Les conducteurs de l'église locale. Ce sont des anciens établis. Les diacres, les assistent. C'est clair? C'est pourquoi ils ont la responsabilité de paître. Ce sont eux qui pèsent les troupeaux. C'est pourquoi 1 Pierre 5 dit. Prenez 1 Pierre 5. Vous allez voir la différence. Là, on ne parle pas. On ne parle pas de diacres là-bas. Ils assistent. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles ils assistent. Vous êtes là, le premier verset. Voici les exhortations qu'ils adressent aux anciens. Il n'a pas cité les diacres. Qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Témoin des souffrances de Christ. Et participant de la gloire qui doit être manifestée. Les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Dites amen. Non par crainte. Mais volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide. Mais avec dévouement. C'est-à-dire avec zèle. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage. Vous voyez ça? Et ce sont eux
qui doivent passer pas comme dominant, non. Ce n'est pas votre église. C'est l'église du Seigneur. Ne dominez pas sur elle. Alors la Bible dit, mais en étant le modèle du troupeau, que le nom du Seigneur soit loué. Ici, en tant que berger, ils sont devant. Ils sont devant. Les bergers devant. Il est le modèle. Il parle. Il parle. Vous voyez, on conduit l'église par la parole. Jean 10. Le berger devant. Il parle. Et les brebis suivent. Et la parole là, c'est le pâturage. Mais pourquoi il est devant? Parce qu'il doit être le modèle. Ça, ce n'est pas. C'est le rôle des anciens. Ce sont eux les conducteurs de l'église locale par la parole. On conduit par la parole. Pas par des justifications. Pas par des arguments, non. Prenez la parole telle qu'elle est. Donnez au peuple et dites au peuple, marchez. Le peuple va marcher selon la. Je regarde le temps. Nakotala kantango. Yeah, voilà celui-ci. Celui-ci. Voilà. Qui doit faire le service de baptême? Nani asengeli kosala mosala ya libatisi? Les anciens ou les diacres ou les ministres de la parole? To ba diacre to. Bon. Le ministre de la parole. Ah, je ne réponds pas. Parce que vous avez de la connaissance là-dessus. Si je reçois cette question une deuxième fois, là je vais répondre. La personne qui a commencé une église, quelle est sa part et son rôle dans l'église? Là, il faut faire une différence. Remarquez, il n'a pas dit que le frère ministre, il dit la personne qui a commencé une église. Si c'est un homme qui n'a pas un ministère, il a réuni un groupe de gens. C'est... Un groupe de gens, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Alors, mais maintenant, quelle est sa place, son rôle? Il n'y a pas de rôle. Il n'y a aucun rôle. Vous pouvez dans votre maison, vous n'avez pas un ministère, vous réunissez les gens, vous priez, même exhorter. C'est un groupe de gens. Mais faire une église, c'est amener ces gens à la nouvelle naissance. D'abord. Là, il faut la semence de la parole éternelle de Dieu. Parce que les gens confondent. Je vous donne un exemple. Voyez, Corée d'Atan Abiram. Vous les connaissez? Ils jouaient un rôle dans l'église. Mais ils ont mis en doute le mandat de Moïse et d'Aaron. Or, c'est Dieu qui les avait établis. Eux, par jalousie, ils ont voulu occuper la place de Moïse et d'Aaron. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux qui étaient tout autour, Dieu ne les a pas appelés église, assemblée. Il a dit la troupe.
la troupe de Corée d'Atan Abiram. Abaki etonga ya Corée d'Atan pe Abiram. Aujourd'hui c'est la même chose. Lelo ezala lolenge moko. Il y a une différence entre regrouper les frères et amener un ministère qui puisse faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Et cela ne vous fait pas ancien. Vous êtes ministre ayant la responsabilité de la parole dans l'église. C'est clair, hein? La personne qui a commencé une œuvre, quel est son rôle? Il n'a aucun rôle. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Les frères ne disent pas que le ministère qui a commencé l'église, les frères disent la personne. C'est une personne. Il n'a aucun rôle. À moins que vous formiez la question autrement. Mais si c'est cette forme ici, je ne vais pas au-delà. Cette question, je ne réponds pas. Il y a une question. Je ne vais pas répondre à cette question. Parce que d'abord, c'est une question qui doit être réglée entre les conducteurs. Ce n'est pas nécessaire que tous ceux que les conducteurs gèrent arrivent aux croyants. C'est une honte. Parce que les croyants n'ont pas certaines capacités pour gérer certaines choses. Quand vous leur donnez un dossier difficile, vous pouvez prier Dieu pour que Dieu vous donne la conduite. Mais les hommes ici, ils n'ont pas la responsabilité. Comment ils vont faire? C'est pourquoi on apprend une chose ici. Ça court là-bas, ça sort des bureaux, ça sort des études de l'université, ça va au marché et ça retourne ici avec deux camps. Et l'église se meurt. Je vais donner aux frères cette question. Je ne veux même pas lire. Il faut être sage. Hein? Même si vous ne comprenez pas, soumettez-vous à cette conduite ici. Bibliquement parlant, quand est-ce qu'on peut relever un diacre ou un ancien? Suivez très bien. Maître, je ne voulais pas répondre à cette question comme ça. Parce qu'il y en a qui ont des citations de frères banales. Écoutez, mais je donne une pensée. Je reviendrai là-dessus. Écoutez-moi bien. Toute charge qu'on acquiert par les moyens des critères, quand les critères ne sont plus remplis, on perd la charge. Mais comment le faire? C'est ça. C'est ça, comment le faire? C'est ça que nous aurons à voir, Dieu voulant. Parce que écoutez-moi bien. Dieu du ciel, voyant la confusion dans le monde, il a donné la parole précieuse pour remettre l'ordre. Là où il y a l'ordre divin, il y a la paix. L'ordre et la paix sont synonymes. Maintenant, il donne les critères. Il faut. Alors Dieu va donner la charge à la personne qui remplit les critères. Si la personne ne remplit pas les critères, Dieu ne lui donne pas la charge. Mais maintenant quand il est, il ne remplit plus les critères par lequel il est arrivé à ce poste, à cette charge. Non.
Il ne peut plus demeurer là. Est-ce que c'est clair? Mais comment le faire? C'est ça le vrai problème. Comment le faire? Il faut la sagesse de Dieu pour le faire de la bonne manière. On n'est pas dans la politique. Où on commence à manifester à gauche, à droite. Non, non. Ici, c'est l'Esprit de Christ. Ah oui, d'ailleurs, mon Christ. Si la parole a déjà écarté, la parole a écarté. Mais maintenant, comment le faire? C'est alors que Branham dit, on va procéder de cette manière, de cette manière. Comme il y a beaucoup d'interprétations derrière cela, je voudrais prochainement venir pour vous montrer comment ça se fait. Parce que le problème ici n'est pas, est-ce qu'il est rempli le cœur ou il ne remplit pas? Vous vivez avec tout le monde. Vous connaissez les critères, vous connaissez les gens, les personnes. Ça, ce n'est pas le problème. Mais comment le faire quand il ne remplit plus les conditions pour être là? Vous allez le faire passer comme un chien? Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ. La première chose, c'est d'être d'abord convaincu que pas par rapport aux critères. Non, 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 il y a quelque chose. Ah, voilà le premier pas. C'est ça le premier, c'est ça la plus grande délivrance. Que par la parole de Dieu, soit on arrive, non, c'est vrai. Avec ça, ce n'est pas ça. Là, on comprend que Dieu a révélé la parole a délivré. Maintenant, comment ça se fait? C'est clair? Est-ce que Dieu peut donner la charge de la conduite de l'Église à deux têtes? Non. Pourquoi? Il y a des gens qui prennent la déclaration de Febana. Une église ne doit pas avoir deux têtes. Pour renier qu'on ne puisse avoir plus d'un ancien. Est-ce que vous comprenez? Non, ça c'est mal comprendre. Dans l'église locale, il ne peut y avoir plus d'un ancien. On peut en avoir deux, on peut en avoir trois, n'est-ce pas? Mais parmi eux là, on a des grâces différentes. On a des dons différents. On a des capacités différentes. Parmi eux là, il doit y avoir un qui engage l'Église et les autres l'acceptent. Mais tous sont établis sur base des critères. C'est bien compris? Si un diacre établi, qu'on a imposé les mains, mais qu'à la suite les peuples n'ont plus confiance, doit-il continuer à exercer sa charge? Écoutez, la réponse est suivante. Ce n'est pas l'imposition des mains qui donne la charge. L'imposition des mains, c'est une consécration de la charge qu'on a déjà. Amen. Maintenant, on dit le peuple n'a plus confiance. Non. On ne peut pas dire ça comme ça. Dites que il ne répond pas à tel critère. Il ne répond pas à tel critère. Alors s'il ne répond pas aux critères, il y a une procédure pour partir.
Mais je dis, il y a deux esprits qu'il ne faut pas avoir dans l'église. L'esprit d'étudiant. Et l'esprit des syndicalistes. Ce sont des mauvais esprits. Étudiant toujours revendiqué. J'étais étudiant, vous avez été étudiant. Quand l'esprit d'étudiant vous saisit, tout le monde devient meneur. Dans l'église, non. Parce que quand tu as un problème dans l'église, priez que Dieu vous donne une conduite. Mais si vous êtes agité, la conduite de Dieu ne viendra pas. Satan va commencer à vous inspirer des choses. Satan va vous inspirer des choses. Et vous allez entrer dans la confusion. Vous allez entrer dans la confusion. Pour que le Seigneur donne l'ordre à Moïse. Devant la mer rouge. Tout le monde criait, criait. Dieu a dit, pourquoi ce cri? Arrêtez-vous. Cessez le cri. Botika Batangwa. Quand ils ont cessé les cris, la conduite est venue. Okamba meyaki. Été donnée à Moïse. Pesa make pana Mose. Il y a une question ici. Mais. Bon, je mets d'abord entre parenthèses. J'en parlerai d'abord avec les frères. Nous bon, on termine. Tokosilisa. C'est la même chose. Mais ici, le frère a introduit une autre notion. Bibliquement parlant, un ancien chronologique. S'il y a une maladie d'ancien chronologique ici. Bibliquement parlant. Un ancien chronologique ou quelqu'un qui a commencé une église. La question n'est pas précise. C'est pourquoi j'évite. Je reste dans le côté du frère. Impérativement. Doit-il être un évêque, autrement dit pasteur? Voilà, ça, vous parlez du pasteur. C'est un langage dénominationnel que vous avez utilisé ici. Autrefois, vous avez résisté. Je suis venu dans cette chaîne. Je vous ai montré que c'est l'héritage de Babylone. Mais vous savez. Les dégâts que ça fait. Vous n'avez pas été attentif. Ça fait des grands dégâts. Parce que quand vous donnez, au lieu de parler de l'évêque ou ancien, qui est surveillant, vous parlez du pasteur. Le pasteur, c'est le ministère. Ou le Seigneur. Mais quand vous appelez quelqu'un là pasteur, vous lui donnez une autorité au même rang que le Seigneur ou avec le ministère. Et derrière, il y a le nicolaïsme. Et on s'est opposé à ça dans cette église. Mais vous n'avez pas vu. Le frère Franck est arrivé en Birmanie. Non, en Hongrie. On l'a reçu à la télévision française. La télévision. On a dit, mais comment on a t'appelé? Pasteur ou Pasteur Franck? Il a dit, non. Pasteur Franck. Je suis frère Franck. Nazali Ndeko Franck. J'ai rencontré le gens qui était avec Branham dans la chambre. Tous l'appellent Frère Branham. Frère Branham. C'est ça l'enseignement qui était dans l'église.
C'est ça l'enseignement. Yangonde mais maintenant, selon la législation américaine, il y a eu cette influence-là du Nicolaïsme, du dénominationnel. Mais vous ne savez pas que derrière, quand vous appliquez un titre à quelqu'un qui ne remplit pas ce titre, c'est une imposture. Imposture. Kotuka. Non. Quel est le mot? Non. Voilà exact. Paul dit, Paul a lobby, vous devez retenir l'évangile dans les termes. Souvenez-vous, termes. Laissez-vous délivrer de ça. Que Dieu aide. Je termine avec une question. Ce problème de l'ancien chronologique est compliqué. Mais vous n'écoutez pas ça dans des assemblées de saints. Vous allez à Abraham au tabernacle, vous attendez l'ancien chronologique. L'ancien chronologique. Ça devient une position qui n'est pas dans le plan. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis un peu dur avec vous, mais comprenez que peut-être ce n'est pas de moi-même. Un frère qui sent l'appel en tant que ministre, mais à qui l'on refuse l'accès à la chair par les anciens, que doit-il faire dans ce cas-là? Doit-il quitter cette église pour exercer son ministère ou rester sous l'emprise des anciens? Que Dieu vous bénisse. On arrête la réunion. Je viendrai dimanche, Dieu voulant. C'est tellement intéressant, n'est-ce pas? Il y a encore une question. Ça risque de m'amener encore l'autre moi. Il y a encore une autre. Même par SMS, il y en a beaucoup. SMS, non, mais en réalité, que Dieu nous donne la pensée de Christ. Que Dieu vous bénisse. À Dieu la gloire. Souvenez-vous de ceci. Le message Sango nous réconcilie. Avec Dieu et entre nous-mêmes. Pas l'esprit des syndicalistes. Ni l'esprit des étudiants. Dans l'église, il faut l'esprit de Christ. Même si un frère est dans l'erreur, c'est l'amour. Amen. Il peut le sortir de là. Ce ne sont pas des accusations, des attaques. Vous allez l'éloigner. Non. Changez votre manière de faire. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va s'occuper de tout. Parce qu'il a dit lui-même, livré partira. Tout le scandale. Ça va partir. Dieu va sanctifier l'assemblée. Comme il sanctifie nos vies. Dites amen. Demeurez avec les modèles. Et Dieu sera avec vous. Il a été dit à Salomon. Dieu sera avec toi. On lui a d'abord donné le modèle. Dieu sera avec toi. Il ne t'abandonnera point. Il ne te laissera point. Il n'est achevé avec toi cet ouvrage. Mais quelle est la condition? Si vous restez avec les modèles. Gloire à Dieu. On entend un cantique. Frère Félix Tchikaya,
Il a vraiment souhaité venir avec moi ce matin pour me voir. Il est en train de suivre chaque enseignement qu'on donne ici. Mais comme il devait intervenir à l'IPEN, je lui ai dit, tu verras, cette église c'est une bonne église. Il vous a salué au nom du Seigneur. On trouvera un temps pour venir. Il vous salue. Mais quand tu as prié, faites-vous violence. Venez écouter. Chaque réunion a son onction. Il ne faut pas rater. Parce que les autres qui ne sont pas venus prendront-ils la prédication, suivre attentivement? Il y a des choses qui sont passées. Il faut venir. Même les dimanches, même la semaine. Bien aimé, ce n'est pas quand vous allez rester au marché, même à l'heure dédiée au Seigneur, que vous allez amasser tout l'argent de Kinshasa. Non. Laissez ça. Dieu d'abord. Et vous verrez que Dieu va bénir le reste. À Dieu tout puissant. Honneur et gloire. Allez, on va chanter. Mon cœur voudrait t'aimer. Le cantique numéro 21. Mon cœur voudrait t'aimer. Grand Dieu,
Tu n'es pas comparable aux idoles. Tu es le grand Dieu vivant. Tu es le Dieu de délivrance. C'est toi le rédempteur. C'est toi le sauveur. C'est toi qui nous sanctifie. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le rocher de notre salut. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Mon cœur voudrait t'aimer. Aimer ta parole. Ne pas m'opposer à ta parole. Marcher dans tes voies droites. Glorieux Seigneur. Brise toute idole dans l'église. Merci Seigneur. Brise toute interprétation. Bénis richement ton fils. Seigneur, brise tout esprit qui a amené la confusion par rapport au terme de l'évangile. Accorde la bénédiction. Que seul. Oh Seigneur, ça n'a pas été facile. Mais ta parole est un marteau qui brille les rocs. C'est de l'eau. C'est du feu. Seigneur, confirme ta parole. Relève l'église. Donne-lui la vie. Donne-lui l'amour de la vérité. Et attache-la à toi. Glorieux rédempteur. Dieu de nos saluts. Et Père de miséricorde. Bénis mes frères, donne l'esprit de sagesse et la révélation, ôte tout esprit qui n'est pas l'esprit de Christ dans cette église, qu'il soit réconcilié avec toi et les uns avec les autres, par l'amour divin, par la miséricorde, accorde le Seigneur, j'amène ce peuple à toi, tu as les élus ici, qui doivent servir à ton dessein. Seigneur, élève-le, bénis-le, ramène-le à toi, donne-leur la vie, selon ta parole. Grand Dieu, que cette parole rétablisse l'ordre divin dans chaque vie, dans chaque maison et dans l'église. Seigneur Tout-Puissant, car tu as condamné le faux système antichrist, par la vérité, que ce système ne se relève plus dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, accorde-le. Bénis mes frères qui te servent ici. Oh, de la confusion, manifeste ta grâce, ta bonté, tes compassions. Nous nous recommandons à toi. Quand toi tu te lèves, toi Seigneur, tu délivres. La vérité délivre. Délivre ton peuple, ôte toute erreur, la vérité corrige l'erreur. Et si accorde, Père, la grâce que ceux qui ont posé la question trouvent la réponse de par toi. Bénis mon frère qui a interprété, bénis le peuple qui est venu nombreux pour écouter ta parole. Aligne-le derrière la vérité et bénis-le. Fortifie-moi aussi. Car j'ai besoin de toi, fortifie-moi, donne toujours la semence pour ce peuple. Que la paix les accompagne et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Oui, Io. Il y a un modèle. Ezali na etali seri moko. Le modèle etali seri divin. Oya bonzambe respecte même les termes de l'évangile. Yango tosaka maloba ya sango malamu. Les termes de l'évangile maloba ya sango malamu doivent être respectés. Masengeli koto sama. Car c'est révélé par l'esprit. Zambi yango monisama ki polele na nzela molimo. Mon frère et ma sœur, de konanga mobali pe mwasi dans l'église,
Katina Ecclesia, il doit y avoir l'esprit de Christ. Et Sengeli Kosa Molimo na Christo. Pas l'esprit de rivalité. Kasi Molimo ya kibongunate. L'esprit d'inimitié. Molimo ya boyinanite. Même si votre frère est dans la force. Attendez qu'on a zali Katina Mbeba. C'est l'amour qui relève. Bolingonde zongi saka et telemisa. Pardonnez-vous. Bolimbisana. Pardonnez-vous. Bolimbisana. Réconciliez-vous entre vous. Boyo kanisama Katina Bino. Et vous recevrez la conduite du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous aime. Mon cœur voudrait l'aimer. Levez la main. Si vous voulez que je prie pour vous, vous croyez que c'est Dieu qui a parlé, vous acceptez sa parole, Dieu va agir en vous. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes encore devant toi. C'est toi qui nous as donné cette parole. Parce que tu veux nous faire du bien. Oh Seigneur, toutes les fois qu'en tant que Église. Nous avons marché dans l'inimitié, dans la rivalité, dans l'animosité, dans des haines réciproques, à cause du sang, grâce au sang de Jésus. Pardonne. Limbisa. Relève l'église. Télémissa Ecclesia. Mets l'esprit de Christ dans l'église. Tiens, mon Christ au quatrième. Ôte l'esprit de contestation. L'esprit de revendication. Nous voulons remettre tout à toi. Car l'édification se fait dans la paix. Mais aide chacun de nous. À respecter les modèles. Les saintes écritures. Même les termes. Sois respecté. Bénis mes frères. Soeurs. Notre bien-aimé Seigneur. Quand tout est fait, selon les paroles, tu accordes la bénédiction. C'est pourquoi, Seigneur, sois avec nous. Répare nos erreurs. Ramène-nous à toi. Fais de nous de bons chrétiens. Fais de nous de bons serviteurs. Ôte tout ce qui est faux à nous, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi encore la semence pour ton peuple. Que le Saint-Esprit agisse dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Que ce que le diable tourmente par les maladies étant autre chose, sur bas de l'autorité de la parole de Dieu et du nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de maladie de chaque corps au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Relève, rétablis la santé. Remplis chacun de ta vie, de ton esprit. Bénis les prochaines réunions. N'y a que toi, Seigneur, qui peut répondre à chaque question de la manière équilibrée. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Bon, j'ai déjà pris d'autres questions. Je pense que d'autres viendront. Que Dieu donne les réponses. Amen. Merci bien. Matondi. Merci mon frère. Matondi.